sur Banzai Live. De retour sur Toonstruck avec un Christopher Lloyd en prison. Mais que va-t-il lui arriver? Et comment allons-nous sortir de ce mauvais pas? Testons d'abord de prendre le paillasson. Évidemment, un cristal. Quoi? C'est un cristal jaune. Moi je pensais qu'avec le paillasson... Vous allez dire que je délire, mais je parie que cette serrure s'ouvre avec une clé. Et la clé est à l'intérieur de cet ogre. C'est mauvais signe. Ah oui, à moins que le cristal soit un laxatif, ça va être très compliqué. Si vous venez d'arriver, Christopher Lloyd a réussi à sauver notre ami l'émouvantail gay. Et aussi Micheline Dax, la vache bovine frustrée, là, cette grosse... Et... Bon, on s'est quand même fait capturer par le méchant. Mais en fait, on se rend compte que le gentil aussi était méchant, parce que lui, il veut mignonifier absolument tout, même les zinzins de Xanidou. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On peut tester d'utiliser le cristal sur le barreau. Je Merci, ne pense Codestock. Pas pouvoir briser ces barreaux avec un cristal. Vous allez dire que je délire. Eh, j'ai risqué ma vie. Il n'est pas question que... Ah! Je ne suis pas prêt de lui rendre ça. Tiens dans ta gueule! Meurs maintenant, meurs, vomis tes tripes. Chope un cancer. Mais vomis, gerbe! Chie par terre! Je lui ai fait mordre la poussière. Oh! En plus, on garde le tapis, ça peut servir. Oh là là, cette séquence. Merci, Martner. Ne sera pas aussi longue que ça. Je ferais mieux de prendre mes affaires. Et oui, et en fait, que le méchant, c'était pas un vrai méchant. En fait, c'était la lapine débile teubée qui s'appelle Dorothée qui était dans le gentil. J'ai récupéré mes merdes. C'est un costume de mouche vraiment affreux. Même le tampon en creur, what the fuck. Salut, mon pote. Livre, livre, livre. Hein? Chaque livre doit être tiré une fois et une seule fois. Ne commencez pas par le premier livre rouge. Ok. Ça c'est une grosse énigme, les amis. Pour plus tard. Je ferais mieux de ne pas le réveiller. Il a l'air plus tranquille quand il n'éternue pas. Est-ce que je peux prendre les petits trucs qui sont là sur lui? Je peux pas lui arracher un doigt. Ce mec a rien compris au jeu. Tiens, Mais alors attendez, où est-ce qu'on va? Oh, ce scrolling! Est-ce qu'on peut aller là? Dans le hall? Ou... Monter. Montons à l'étage. C'est peut-être pas très gentil. Non, à mon avis, c'est... What the fuck? Oh là 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 là! Alors, quand les jeux me donnent beaucoup trop de nouveaux décors d'un seul coup, je suis vite débordé. C'est la débandade. Je débande d'ailleurs. Ah, voilà! Un truc bien renfermé, qui pue. Ça me va. Le climatron. Putain, c'est pas un beurrettotron. Conduit de ventilation. Il doit bien y avoir un moyen de l'ouvrir. Mais tu vois pas le putain de bouton qui est là? Circulation d'air. C'est un climatron. Je ne sais pas ce que c'est. Il fait atteindre le climax aux jeunes filles en moins de 3 minutes. On dirait qu'il manque le levier. Ah. La musique est pleine de suspense. Ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas. Essaye avec ta bite, ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas. Eh bien, on va monter par là. Allez, Christopher Lloyd, allez. Wow. Toucher des insectes, pas question. Quoi? Non mais attendez, ma stratégie était parfaite. Avec le gant. Avec le gant. Quoi, le cristal?
Putain, les araignées, merde! Le cristal sur le truc! Dans le climatron! Mais qu'est-ce qu'il aurait. Qu'est-ce qu'il foutrait sur le paillasson? Ça ne rentre pas. Mais voilà, ça rentre pas. Comme David! Si seulement j'avais un hareng. Mais oui. Bon, le canard. Salut! Les livres bleus doivent être tirés par ordre numérique. Le deuxième livre bleu doit être tiré après deux livres rouges. Il est fou cet oiseau. Dis-moi en plus. Tu veux un biscuit? Le troisième livre rouge doit être tiré immédiatement après le premier livre rouge. En effet, vous avez reconnu encore Micheline Dask. Le tiré sont immédiatement suivis par un livre rouge tiré. Bien sûr. Qu'est-ce que tu disais déjà? Ni le troisième livre rouge, ni le quatrième, n'est le dernier qui doit être tiré. Le dernier livre bleu doit être tiré immédiatement après tous les livres rouges. Et c'est tout. Très bien. Si vous avez tout retenu, c'est que vous êtes comme moi, un enfant zèbre, 145 de QI. Le pif sera gagnant. On parie que je le fais en force rail. Vous voulez entrer? J'adore les visiteurs. Mais d'abord, il faut jouer à mon jeu rigolo de la porte rigolote. C'est rigolo, hein, ça. Merci, Xéon. On dirait un youtubeur qui fait jamais d'humour, qui essaye de s'y mettre. Oh, ça a l'air horrible. Il me stresse. Alors, quand t'appuies là-dessus, ça fait down quick. Ok. Oh! Je n'ai pas le nez pour ce genre de choses. J'ai aussi un peu mal aux couilles. J'ai comme une mauvaise impression. Là, il fait squeak, clac. Ok, donc squeak, clac. Squeak, clac, boum. Squeak, clac, boum. Clac, boum. Tac. Ça va être long. Squeak, clac, boum. Twap. Boum. Clac. Blablabla. Ok. Schling. Clac. Boum. Clac. Boum. Blablabla. Premier niveau. Ah, ça va être horrible. Ok. Hein. J'ai déjà oublié. Oui. Attention. Schlack. Schwip. Boum. On tire la langue. Après la langue, c'est spluf et splaf. Ok. Attends, après l'oreille, c'est quel... Merde. Œil droit. La langue après l'œil droit. Arrêtez le ton. Droit, langue, gauche, droit.
Clac, poum. Attends, langue. Gauche, droite. Oreille. Quel est le... Clac, boum, clac, boum, flup. En fait, je pense par mouvement, moi. Clac, schluck. Ok, facile. Non, arrêtez le livre rouge, ensuite bleu. Up, down, chou. Attendez, moi, c'est ma concentration, ma phase de concentration, la même que quand je mets des capotes. Ok, faut rappuyer sur le point. C'est pas le Mérou pourtant. Comme disait toujours ma mère, je me souviens très bien d'un visage. Oui. Là. Ben rentrons dans ce truc là, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Oh, le clown du début du jeu. On veut enfin comprendre ce qu'il fait. Quelle belle table. Non. Du fond de teint. Tout clown psychopathe qui se respecte doit soigner son look de clown gentil. Ah mais d'accord, c'était la cellule du clown. Je prends cette bouteille. Le pudding est réservé aux petits enfants. Gentil. Putain, il y a une voix bizarre. Aux petits enfants gentils. Il y a des vieux ballons de peluche qui sont genre en lévitation tout au bout là-bas. Bonjour. Vous venez pour ma tarte aux pommes? Vous l'aimez, hein? Ou vous l'aimez, avouez? Oh, ben tout le monde l'aime. Mais vous ne l'aurez pas. Arrière, vous rien. Elle est vraiment dégueulasse. Oula, quoi. Moulo racaille. Non. C'est mais très chouette lui. Chez vous, monsieur. Pic, pic, le clown. Oh, il faut nourrir le chat, nom d'un chien. Oh, c'est quoi votre nom? Blanc. Oh, blanc. Oh, comme c'est beau. Sandwich trip. Alors. Merci. Moi, sandwich trip, ça me fait penser à ce petit... cette petite caravane à la foire de Rouillac dans le 16, tous les 27 du mois, qui place Thiers, en fait, fait des hot dogs mais avec une andouillette dedans. Du coup, c'est un vrai sandwich au trip. Et les oignons caramélisés et le ketchup avec l'andouillette quintuple A. C'est bon. Tellement bon. Parce que les amis, je vais à LA dans 3 jours, mais il n'y aura pas d'andouillette. Alors, qu'est-ce que vous faites ici? C'est une pièce spéciale pour les bouffons spéciaux. Un plat, mes beautés. Nefarius a un bouffon? Un bouffon de coup. C'est drôle. Ballon? Ballon? Ballon. Il est vraiment pété du cul, quoi. Ça suffit. Ce sont des préservatifs. Oh là là, t'as vu cet acting? What the fuck? Cet acting, quoi. Oh non, oh,
qu'est-ce que je regarde? Je suis choqué. Tu vois que c'était les capotes. Visiblement, il a beaucoup de questions à lui poser. Hein. Vous avez un humour plutôt unique, Pic. Comment faites-vous pour être aussi drôle? Des traitements spéciaux. Et le secret est dans la sauce. Des traitements? Une salle spéciale, des traitements spéciaux. Oh, les traitements rendent les bouffons très très drôles. Hiss les abattis, matelots! Oh, Miss Fortune, mais c'est une belle chatte! Elle tire les ficelles de l'andouille! Ne touche pas ce levier! Nic, 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 nic! C'est parti! Pic est prêt à jouer! Elle vous grille le cerveau? Pour amuser Nefarius? C'est ça le spectacle! Rigolo, rigolo, rigolo! Ballon! Pauvre clown! Joyeux anniversaire! Ballon! C'est une belle chatte! Alors, parle-moi un peu de tes dents pourries. Regarde, j'ai les mêmes. Tora, Tora, Tora! Oui, 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 oui. Bien sûr que je comprends, monsieur l'asperge. Ah oui, d'accord. Il faut donner les coups de pinceau uniquement vers le haut ou le bas. Jamais les deux ensemble. Alors c'est vous qui avez mis le wabdou dans le chiwabdouap. Je vais cani-craquer le fin d'eau. Vous savez, Pic, j'ai vraiment subjugué par votre numéro avec le ballon. À mort ! À mort ! À mort ! Vous voudriez bien recommencer pour moi. Ballon ! Non ! Non ! Mon Dieu ! Pic ! Pic ! Oui, je pourrais vous l'emprunter pour un moment. De la gelée d'œil pour le dîner. Papa. Laissez tomber. On a loupé la réplique. Vous en avez une grosse aiguille. Eh, mais c'est une belle réserve d'hélium que vous avez là, Pic, mon pote. Je pourrais vous en prendre une petite échotte, peut-être. Pourquoi? Les écureuils attaquent. Vous êtes de mèche. Oh, ça coûtait pas cher faire une vraie voix à l'hélium, bordel. Carrière, je vous dis. Non, je suis de votre côté. Je travaille pour la résistance. C'est ça, je hais les écureuils. Je suis un agent double. À mort les écureuils, la résistance vaincra. Maman, il y a un fou qui parle d'écureuils et de résistants. Fais-le partir. Alors, si vous n'avez pas mangé de champignons hallucinogènes avant ce stream, je suis en train de jouer à Dark Souls 3. Je crois que la spatule est à moi. Cla, acto, barata, nito. Vous avez la référence? Ah, peut-être qu'aujourd'hui vous avez tous la référence à cause de la nouvelle série Evil Dead. Mais c'était l'incantation d'Evil Dead, du Necronomicon. Et ça, c'est fou. Bip! Ah, Houston, nous avons un problème de courgette. Banzai! Monsieur Tambourine Man! Monsieur Tambourine Man! Monsieur Tambourine Man! Il y a combien de dialogues? Où sont passés mes tétons en caoutchouc? Oh, ça a le goût de poulet. J'ai l'impression que Christopher Lloyd est encore plus fou que l'autre, quoi. Je suis le robot subatomique. Envoyez mes amitiés à tout le monde. Non, n'écrabouillez pas la mangue. Ce clown est le seul gars du monde à avoir joué à Phantasmagoria 3. C'est ça, hein, c'est le bêta-testeur. Tora. Ah, on a fait le tour. Oui. Ce sera tout pour... Ah, n'oubliez pas d'essuyer. Chou-chou. Regardez, ah. Oh, je suis un train. Ok. Est-ce que tu veux un gant? Désolé. Putain, il manque de me tuer, quoi. Est-ce que tu veux un Christ? C'est un Christ. Disons, cassons-nous, hein. Regardons dans l'aquarium. Thank you.
Combien a coûté ce jeu, bordel? Ce poisson semble être le gardien de ce coffre au trésor. Ah putain, moi je m'en foutais complètement. Bah attends, si j'essaie de le prendre, ça fait quoi? Oh, le même truc. Ah non. Ça c'est la vision du clown. Il est quand même au bout de sa vie pour le tournage. Hein. Ah oui, montre-nous tes poils. J'en ai plus. Oh, cette tête quoi. Cette blowjob face. C'est un harangue. Must not fap. Must not fap. Bon alors, il est gentil sauf quand on essaie d'attraper le coffre. Le coffre n'est pas magnétique. Putain, mais il y a carrément un dialogue pour dire ça quoi. Là, c'est que d'avance il dit ça va pas marcher. Mais c'est vrai qu'on dit, c'est, oui, c'est vrai qu'il a la même couleur que Polochon. L'étage supérieur. Alors en bas il y a un truc. Dans le donjon, en bas il y a le climatiseur, hein, n'oubliez pas. Essayons de passer par là. Là c'est drôlement bien gardé. Serveur muet. Attends, quoi? Gros tas de dingue. Ce sale tas de ferraille m'en empêche. Mais il suffit qu'il pousse. Ce sale tas, ce sale. Mais bordel, un cuisinier automatique pour faire cuire les dindes. Quelle sale tas de ferraille rouillée. Ce sale tas. Mais c'est un monde plat. Ce sale. Mais bordel, mais attends, mais il fout lui un riz. Je ne crois pas que ça marche. Malgré sa taille et la rouille, ce robot est du genre. Arrête de faire chier. Le robot chef n'est... Il est pas magnétique. Bah oui, forcément. Il est en plastoc aussi. Putain, ça devient très très sérieux. J'aime bien par contre que le jeu arrive à créer une tension juste en te dépaysant totalement au niveau de ses décors et tout. C'est quoi. Un fou. Merci. Ce ça. Pourquoi on voit le fion de la dinde à chaque fois, je remarque. Oui. Pourquoi il regarde à chaque fois dedans, quoi? Pourquoi? Pourquoi le paillasson? On va voir quand même ce qui... quels autres choix s'offrent à nous. Oh putain, c'est horrible! On se croirait un petit peu dans une porte d'Oblivion, tu sais, dans une tour d'Oblivion, dans Oblivion. Ah, le robot peut-être avec la clim. Ah ouais. On dirait qu'il y a une fête de gros codil en ce moment, et je ne suis pas invité. Ça joue aux fléchettes, il y a un écran où il regarde un espèce de porno chelou. Ils ont un poster. Est-ce que vous avez vu le poster de... C'est dommage que ces gros codil... C'est sûr, le poster de la crocodile à walper sur le côté. Enfin, en bikini, quoi. D'accord, ils font monter les dindes ici. Ok. Voici les gardes de Nefarius qui se défoulent après une journée de... Attends, en tout cas, ouais, le jeu est beaucoup plus long que je pensais. Hein. On progresse. Richard Darbois. Fais-moi jouir. Bip. Ta machine, elle est à côté. Il s'est barré? Non, pas l'énigme des livres. Si je pouvais l'ouvrir facilement, elle ne serait pas très efficace pour la sécurité. Je ne peux pas l'atteindre d'ici. On peut monter. Armure en pied. Je ne pense pas que c'est... Certes, je devrais peut-être les examiner d'un peu plus près.
Putain, fallait insister, quoi. Alors, il faut pas commencer par un livre rouge et... Mais balancer les livres bleus dans l'ordre... Enfin, les livres bleus, c'est dans l'ordre numérique. Et après, le premier livre bleu, balancer deux rouges et finir par un rouge, je crois. Attends, on va tester un truc comme ça. Je crois que ce n'est pas bon. Ah merde! Quelle erreur ai-je bien pu faire? Mais donnez pas la réponse. Retournons voir. Attendez, on va le faire. Je n'arriverai à rien en tripotant ces livres. Faut finir par un bleu. Et faut commencer par un bleu. C'est quand même de la merde. Je n'arriverai à rien en tripotant ces livres. Si je... Allons voir le Korbach. On va s'en sortir tout seul. Arrêtez de me souffler des trucs. C'est que même les gens qui soufflent la réponse, de toute façon, c'est trop chiant. Chaque livre doit être tiré une fois et une seule fois. Merci Michinitas. Je t'arracherai les mamelles en remerciement. Le premier livre rouge. Il est mignon, le zozio. Alors, pas commencer par le premier rouge. Les livres bleus doivent être tirés par ordre numérique. Okay. Le deuxième livre bleu doit être tiré après deux livres rouges. Ok. Il est fou, cet oiseau. Tu veux un biscuit? Le troisième livre rouge doit être tiré immédiatement. Ah oui, c'est ça, c'est un 3. Livre rouge. La moitié des livres bleus tirés sont immédiatement suivis par un livre rouge tiré. Bien sûr. Qu'est-ce que tu disais déjà? Ni le troisième livre rouge, ni le quatrième, n'est le dernier qui doit... Le dernier livre bleu doit être tiré immédiatement après tous les... Et c'est tout. Très bien. Ok. J'ai ma petite idée. Attention, tout à coup, je vais faire tel Jimmy Neutron, je vais activer mon cerveau supérieur. Je ne pense pas... Je ne... Je crois que ce n'est pas bon. Merde. Attends. Il faut commencer par le bleu, de toute façon. Et après, deux rouges. Mais du coup, les deux premiers rouges, c'est le 1 et le 3. Je sais pas pourquoi, mais... Cerveau en érection, quoi. Et après, les deux premiers rouges, il faut tirer le deuxième livre bleu. Mais comme on a tiré les deux bleus, il faut tirer le dernier rouge... Et après, finir... Oh!
Attendez. C'est 1-1-3. Ouais, de toute façon, les bleus... Non, non, mais c'est les jaunes, c'est les bleus qui sont par ordre numérique, pas les rouges. Souviens-toi des paroles de Pipou. Je laisse tomber. Ça va se passer. Attendez. C'était quasiment ça, hein. Il y a un truc que j'ai pas pigé. On va y arriver. Bon, si vous répétez juste ce que l'oiseau a dit, c'est cool, hein. Livre ? Chaque livre doit être tiré une fois. Ne commencez pas par le premier livre. On commence pas rouge. Par le premier rouge. Il est mignon. Salut. Le deuxième livre bleu. Le bleu doit être tiré après deux livres rouges. Ok. Il est fou cet oiseau. Tu veux un biscuit? Le troisième livre. Troisième livre rouge. Doit être tiré. Tiré immédiatement après le premier rouge. Après, la moitié des livres bleus tirés sont immédiatement suivis par un livre rouge tiré. Bien sûr. Qu'est-ce que tu disais? Ni le troisième livre rouge, ni le quatrième rouge. Et si donc? Le dernier livre bleu, immédiatement après. Et c'est tout. Très bien. Livre? Chaque livre doit être. Ne commence. Il est mignon. Salut. Les livres bleus doivent être tirés, par ordre numérique, mais pas les rouges. Il est fou cet oiseau. On va y arriver. Ça va bien se passer. Mais à chaque fois je dis genre après faut le rouge. Je crois que ce n'est pas bon. Ouais, ça c'est sûr que c'est le début ça. Et après tout de suite c'est le deuxième livre bleu quoi. Forcément. Et là on a déjà fait la moitié des livres bleus. Donc faut tout de suite un livre rouge. Ensuite vert. Et ensuite on fait le dernier rouge. Et là le dernier bleu. Oh. Le troisième rouge, je suis toujours le premier rouge, ouais. Ah, donc tu fais peut-être 4. Je crois que ce n'est pas bon. Non, merde, attendez. J'ai mal au crâne. Attends, le 4 rouge, pas en dernier des rouges? Mais là, là, je suis obligé de mettre un rouge. Quelle erreur ai-je bien pu faire? Non, non, non. C'est sûr qu'il faut commencer par un bleu. D'abord, la grosse aiguille avant le rouge. Vous me rendez fou, quoi. Oui, mais après, rien ne m'oblige de faire... attendez. J'ai mal au crâne. Sans déconner. Je ne pense pas. On va y arriver. Par exemple, je vais faire 1. Mais non, mais c'est... Pourquoi je suis persuadé que c'est ça, déjà?
Et aussi, la moitié des bleus sont tirés après un rouge. Non, non, c'est faut tirer un rouge après la moitié des bleus. Mais l'horloge sort des 8 heures. Tu penses qu'il faut finir par le 2 rouge? T'avais presque bon tout à l'heure, Benzaï. Ah oui, bah voilà. De toute façon, on n'a pas le choix. Ordre numérique. Puis le 4. Et du coup, là, j'ai envie de faire... 3, 4, 2, quoi. Quelle erreur ai-je bien pu faire? Non, parce que... C'est un rouge. Ou alors je fais clac, je boum, plouf, plouf. Non. Quelle erreur ai-je bien pu faire? Ça a passé. Mais dans ma tête, moi, il faut finir par un rouge vu que t'as pas le droit. Enfin. La claque, on a fini par les deux rouges. Mais par contre, le 4, c'est pas le dernier des rouges. On va finir par bannir les gens qui spoilent, quoi. Le dernier bleu doit être tiré après tous les rouges. Ah, mais oui. Vous avez le droit de répéter les astuces du perroquet. Mais là... Clac. Et du coup, 2 et 3, 4. Mais non. Quelle erreur ai-je bien pu faire? Alors, Jackie et Miguel... C'est terminé. Mais essaie au moins de te souvenir que tu l'as fait 3 fois déjà. Mais non, mais... Ça commence à me... Là, il y a la moitié des trucs, donc je suis obligé de faire un rouge. Donc c'est celui-là. Mais après, du coup, j'ai pas... Enfin, c'est que... Dans ma logique, non, j'ai pas le choix que ce soit ça, parce que... Les bleus... Je crois que c'est pas bon. Si c'est dans l'ordre... alphanumérique, que là je suis obligé de refaire un rouge parce que j'ai soulevé la moitié des bleus et que du coup oh. Ou alors on met le 2 en premier et après tu fais clac 1, 3, 2 et du coup 4 3, 4. Non, je suis en train de tout défoncer. Quelle erreur ai-je bien pu faire? Non, mais ça me paraît évident que c'est ça au début. Ah, je vais peut-être essayer de tirer le 3 rouge avant le premier rouge. C'est pas faux. Faire comme ça, là. Clac, clac. Puis 2, 4. Clac, clac, clac. Non. Je crois que ce n'est pas bon. Seule la moitié des livres bleus sont suivis par un livre rouge. J'ai mal au crâne. J'ai mal au crâne. On va y arriver. Nous allons y arriver. Le Korbak va nous donner, montrer la voie, quoi. On aura essayé 1-3-1, ouais. Tu veux un biscuit? Le troisième livre rouge doit être tiré immédiatement après le premier livre rouge. Bah oui, mais non, mais de ça... La moitié des livres bleus tirés
sont immédiatement suivis par un livre rouge tiré. Bien sûr. Donc oui, c'est forcément un 3 en séquence. Et il y a forcément un rouge après qu'on ait fait deux bleus. Qu'est-ce que tu disais déjà ? Ni le troisième livre rouge, ni le quatrième, n'est le dernier qui doit être tiré. Ah mais du coup ça peut être... Le dernier livre bleu doit être tiré immédiatement après tous les livres rouges. Et c'est tout. Très bien. Livre ? Il est mine. Je pense que ça se finit quand même par un 4. On peut peut-être faire un 2, un 3. Je vais retomber sur les mêmes travers. N'arriverait à rien en tripotant ces livres. Mais non, ça finit pas par le 2 rouge, vu que le dernier bleu est fait après tous les rouges. Ça finit forcément par un rouge. Merci ma poule pour le sub. Je laisse tomber. Attendez, parce que là, vous m'avez embrouillé le cerveau! Utilise le livre jaune pour faire du vert. Troisième livre rouge, après le premier rouge. Ok, donc ça fait 1-3. La moitié des bleus suivis par un rouge. Et ni le troisième rouge, ni le quatrième sont le dernier de tous les livres. Et le quatrième livre bleu, après tous les livres rouges. Donc, on terminera par le quatrième. Parce que de toute façon, les bleus, c'est dans l'ordre chronologique. Donc, le dernier... Le dernier, c'est forcément le 4. Ça se termine forcément par un B4. Et... Il y a forcément... Rouge 1 suivi de rouge 3. Dans la séquence. Et les bleus, de toute façon, c'est... De toute façon, bleu 1... Bleu 2... Bleu 3, bleu 4. Et il y a forcément un rouge. Le truc, c'est comme ils disent qu'il y a forcément un rouge. Après, je peux peut-être les mettre après les deux bleus. Donc, du coup, ça peut être un autre rouge là. Comme le 2. Le... Et peut-être... Et de toute façon, il faut avoir fini... Il faut avoir fini les rouges avant de tirer le B4. Donc... Donc ça ferait rouge 1. Ma nouvelle tactique ce serait Non attends. Je laisse tomber. Je suis en train de faire n'importe quoi. 1 2 Je tente un truc, hein. Non. Quelle erreur ai-je bien pu... Les derniers rouges ne sont pas R3, R3, donc le dernier des rouges est R2. J'ai mal. Mais attention, ils ont pas dit que c'était le dernier rouge. Vous confondez. Ils ont pas dit que il fallait pas finir les rouges par 3 ou 4. Il fallait juste pas finir la séquence par 3 ou 4. Je laisse tomber. On va finir par Théo des Non, par contre, vous avez le droit de répéter ce qui se passe de ce qui se passe de, ce qu'a dit le Korbach, quoi. Mais putain, ça a l'air tellement d'être ça, bordel. Yeah.
Je crois que ce n'est pas bon. Ça c'est... Quelle erreur ai-je bien pu faire? Il a dit que les rouges 3 et le roi 4 devraient être tirés en dernier. Et que tu dois finir par un bleu. Oui, mais il a pas dit. Genre, je peux, ça peut être l'avant-dernier, tu vois. Le premier et le troisième rouge sont tirés à la suite. Quatrième n'est pas le dernier des rouges. Donc, si je fais clac, 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 clac. Clac, clac, clac. Je crois que ce n'est pas bon. Ah, c'est bien la c'est une erreur de traduction, c'est bien la séquence des livres rouges qui ne peut pas se terminer par le 4. Ok, donc 1, 3, 2, 4. Quelle erreur ai-je bien pu faire? Rien ne t'oblige à tirer le R1 en premier. Souviens-toi qu'à un moment, tu dois en tirer 2 à la suite de rouge. Mais je tire toujours le bleu 1 en premier, parce que c'est ce qui me paraît le plus évident. Ou alors tu fais... Quelle erreur ai-je bien pu faire? Ah! Attendez. De toute façon, ça fait bleu 1, 2, 3, 4. Et à un moment, ça fait rouge 1, rouge 3. Et... rouge 2, soit avant rouge 1, rouge 1, soit après. Mais... non, soit en dernier. Parce que rouge 4 pourrait même être en premier. Mais je crois que j'ai déjà fait ces trucs-là, putain! Ou alors tu fais... Le truc, c'est qu'il y a, il y a des machins, je suis sûr, ça comprend quand même la suite, quoi. Je crois que ce n'est pas bon. Les trucs, je suis sûr que c'est, ça correspond à ce qu'on fait. Ça rentre quand même dans toutes les cases. Je n'arriverai à rien en tripotant ces livres. Je n'arriverai à rien en tripotant ma bite. Réécoutons ce qu'il dit. Réécoutons les paroles du corbeau. Mais après, pour des besoins de trucs, on va se spoiler la gueule, quoi. Ça me rend fou. Salut. Les livres bleus doivent être tirés par ordre numérique. Ok. Le deuxième livre bleu doit être tiré après deux livres rouges. Ah. Il est fou cet oiseau. Donc il y a forcément... Donc attends, la séquence R1, R3, elle est bien après. Et là tu mets le deuxième livre bleu. Donc c'est forcément bien B1, R1, R3, puis B2. Ça c'est sûr. Tu veux un biscuit? Le troisième livre rouge doit être tiré. Merci, Clayam. Immédiatement après le premier livre rouge. Ça, c'est sûr. La moitié des livres bleus tirés sont... Et après, il y a un autre rouge. Suivi par un livre rouge tiré. Bien qui, sûr. Du coup, est forcément le 4. Qu'est-ce que tu disais déjà? Ni le troisième livre rouge, ni le 4. Parce que ça peut pas... Du coup... Et après, le dernier qui doit être tiré.
Soit il reste. Le livre bleu doit être tiré immédiatement après tous les livres rouges. Et c'est tout. Très bien. Ok, merci compote. Je viens de checker la Solus, doit y avoir un souci sur la traduction par rapport à la moitié des livres bleus. Alors, c'est forcément B1, R1, R3, puis donc B2, suivi du 4 parce qu'on peut pas finir sur le 4. Et ensuite, voilà, et après ça, on a plusieurs choix. Mais ça se termine forcément par 2, 4. Du coup, c'est 3, 2 et 4. Quelle erreur ai-je bien pu faire? Ou alors c'est l'inverse. Merci, bienvenue. R3. E2. R4. Du coup, à la fin, on finit avec les deux bleus. Mais c'est pas ça. Quelle erreur ai-je bien pu faire? Mais on les a déjà fait, donc... Du coup, on va regarder la Solus. Parce que là, je ne sais pas. Toonstruck. Book puzzle. C'est terrible, mais là on est totalement perdu. Alors la Solus officielle, attention, c'est B1, 1, 3. Donc ça j'ai raison. Pile 2. Quoi? Puis un deuxième bleu? Mais c'est débile, ils avaient dit quand t'as mis la moitié des bleus, il faut mettre un rouge automatiquement. Et du coup, rouge 4. Rouge 2. Bah oui. Non mais oui, ok. Non mais d'accord, oui, d'accord, ok. On aurait pu chercher longtemps. Hein. Non mais oui, non mais... À partir du moment où c'est écrit, dès que t'as mis deux bleus, faut mettre un rouge, tu pourras jamais le trouver. Tu pourras jamais le trouver! Effectivement, l'erreur de trad est vraiment grossière, quoi! Oh, sa grand-mère! Ah, je suis deg du cul! Putain! Benzaï live! Ah là, je suis deg. Je suis salty, là.